Bonjour et bienvenue dans ce deuxième quickie du mercredi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, l'idée c'est qu'on te présente chaque semaine, le mercredi, les principales sorties dans la région du Luxembourg. Tout ça en quelques minutes et en toute détente. Le quickie du mercredi, c'est ton agenda vif et osé. Ah oui, et n'oublie pas de nous envoyer vos meilleures photos et vidéos à l'adresse email qu'il y aura en description ou en commentaire épinglé pour partager la bonne ambiance des sorties près de chez vous. Ce week-end, énormément d'activités, du coup on va pas perdre de temps et c'est parti. Attention, levez, attention, mixage. Que l'alcool soit à flot et que Dieu vous bénisse. Et on commence aujourd'hui par un petit récap des fêtes du Métranque. Eh bien, on peut dire que cette édition 2022 était un franc succès. L'ambiance était clairement au rendez-vous, malgré une pluie épisodique qui n'a pas empêché tout le monde de continuer à faire la fête. Pas d'incident majeur à déclarer, malgré une grosse consommation de Métranque, si bien qu'il a fallu ravitailler tout ça en urgence, en plein milieu de soirée. Bref, une très bonne ambiance, on passe à la suite. Nous sommes le 25 mai et ce week-end, ce sera le carnaval de Marche-en-Famenne, autrement appelé le carnaval de la grosse biasse. Et alors laissez-moi vous dire que ici, ils font pas les choses à moitié. Avec un planning aussi chargé que les histoires et les traditions qu'ils transportent, je vous invite à aller lire ça sur leur site, ce serait beaucoup trop long à expliquer. Bon, rien que pour vous, je vais vous résumer les activités principales auxquelles vous pourrez assister. On commence en force le mercredi 25 avec un bon petit bal, avec un verre offert au déguisé. Le jeudi 26, deux rendez-vous avec des animations pour les enfants à 14h. Ensuite, l'intronisation du grand mochi Fredo di Chiasso de Feyes. Bon, l'accent est peut-être pas juste quoi. Vendredi, on revoit la petite sœur avec un nouveau bal à 21h, toujours sous chapiteau. Et on ne change pas une équipe qui gagne, toujours un verre offert au déguisé. Et enfin, ce sera dimanche le clou du spectacle avec le grand cortège du carnaval, évidemment. Cortège qui terminera place du roi Albert pour le rondeau final. Et alors à 22h, les mecs, ils crament tout. La sacoche à Gugus, les hérétiques et les bonnets de Gilles. Hérétique, au bûcher, c'est le bûcher. L'événement suivant nous amène à Grumelange avec le Rock à Grume, un festival ouvert pour tous et à tous. Tu pourras y retrouver Muse by Museum ainsi que Soul en tête d'affiche et une bonne ambiance de fin de soirée assurée par le groupe MNB. Vous pourrez rentrer sur le site à partir de 10h, les premiers concerts commencent à 11h. Le prochain événement s'adresse plutôt à ceux qui habitent proche de la frontière luxembourgeoise. Et oui, parce que cette fois-ci, c'est outre frontière, côté de Luxembourg à Pétange. Dans le cadre de EJ 2022 Remix Yourself, vendredi 27 et samedi 28 auront lieu l'European Youth Music Festival. Le vendredi, on se retrouve de 13h à 22h, place du marché, et samedi, de 10h à 15h45. Et vous pourrez enchaîner avec le grand spectacle du carnaval de Pétange. Bon, allez, je vous en place deux petits comme ça. Il y aura aussi la fête au village de Thiaumont du 26 au 30, et la fête au village de Metzert du 28 au 30. Et voilà, comme promis, on reste assez court et concis. Si ce format te plaît et t'intéresse, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, et pourquoi pas laisser un petit like. Profitez bien du carnaval, de la grosse biesse, ou encore des autres activités proposées. Pour ma part, je me casse en Espagne. Bon week-end à tous.